Avez-vous déjà vu un millefeuille administratif sans gluten ? Voici Paul. Il est habitant de la ville de Montauban. Il aime particulièrement faire du vélo avec son fils devant sa maison. Seulement, depuis quelque temps, sa rue est abîmée par de nombreux nids de poules et personne n'est encore venu les réparer. Paul aimerait savoir à qui se plaindre afin que sa rue redevienne comme avant. Il existe en France beaucoup de collectivités souvent appelées millefeuilles administratifs. Et il est souvent difficile de s'y retrouver. Il existe d'abord la région, dirigée par un président et un conseil régional. La région s'occupe principalement du développement économique, avec l'aide aux entreprises par exemple. Elle s'occupe aussi de la formation, des lycées et du transport entre les villes de la région. Ensuite, le département, dirigé par un président et un conseil départemental. Le département a une grande importance dans l'action sociale, puisque c'est lui qui accorde les aides au handicap, le RSA, les aides à l'enfance et beaucoup d'autres. Il s'occupe également de l'ensemble des collèges sur son territoire. Puis, nous avons la commune, dirigée par le maire et le conseil municipal. L'action de la mairie est plus vaste que toutes les collectivités. Entre autres, elle possède une compétence sociale qui va des centres communaux d'action sociale, des crèches, aux foyers pour personnes âgées. La mairie est aussi responsable de l'urbanisme. C'est elle qui dessine ta ville de demain. En autorisant des constructions ou en construisant elle-même. Du point de vue de l'éducation, c'est la commune qui est en charge des crèches ainsi que des écoles primaires. Par exemple, elle décide des repas à la cantine ou encore des horaires des centres de loisirs. Enfin, la mairie s'occupe de la création et de l'entretien des routes communales, comme la rue de Paul. Et il y a enfin l'intercommunalité. Aïe, là, ça devient vraiment casse-tête. Qu'est-ce que l'intercommunalité ? C'est en fait assez simple. Ce sont plusieurs communes, géographiquement proches, qui décident ensemble de créer une équipe, dans le but de regrouper leurs moyens pour réaliser des projets, ou réaliser au mieux un service. L'intercommunalité est d'ailleurs composée d'une partie des conseils municipaux de chaque ville membre. Elle est compétente pour la collecte des déchets, la distribution de l'eau, et aussi l'urbanisme en collaboration avec la commune et la région. L'ensemble de ces collectivités partagent aussi des initiatives en termes de culture, de sport, de tourisme, de langue ou même dans le domaine associatif. Paul a maintenant tout compris et ça lui donne une idée. Paul peut se présenter lui-même et changer les choses. La route étant une compétence de la mairie et Paul ayant plein d'idées, il a décidé de monter une liste pour les prochaines municipales.